Chose, dépenser mieux, et ça va nous obliger à une deuxième chose, arrêter avec les gaspillages, ce sera pour la vie. J'ai le sentiment que c'est pas si simple. Oui, plus jamais ça, la Première Guerre mondiale, ok. Il y a eu la deuxième. Plus jamais ça. Il y en a eu des guerres depuis. Donc, ça n'empêche pas le système mondial, la mondialisation, d'avoir mis son emprise sur une bonne partie de l'humanité. Moi, j'accepte de ne plus travailler sous la pression. C'est pas encore gagné parce que la pression te rattrape, hein. Pression financière et tout. Mais bon. Il fallait quand même pas que Lilian, après la oui. S'il y a des mouvements comme ça, c'est très bien. Mais ça se fera naturellement à ce moment-là. Ça se fera naturellement. Alors il faut peut-être un regroupement des forces. Oui. C'est bon de s'entendre, d'entendre que d'autres réagissent pareil. Ça fait un phénomène de résonance. Et j'ai rencontré plusieurs personnes récemment qui se sont remis en question, qui ont changé, qui ne veulent plus participer à un système. Tu vois, donc ils se mettent dans d'autres conditions. Oui, je trouve que ça, c'est une attitude qui peut être logique, qui peut être cohérente, tu vois, avec une perception du monde. Refuser de souffrir pour telle chose, ça n'en vaut pas la peine. Enfin, tu vois, ça conditionne les actions d'individus, et je suis d'accord que ça peut déboucher, sans qu'on le sache, tu vois, sur une situation nouvelle, c'est-à-dire l'effondrement d'un système financier. C'est parce que plus alimenté, bah oui, ça c'est voilà les belles choses qui peuvent arriver. Ça je suis d'accord. L'effondrement du mur de Berlin, c'est pas. C'est. Oui, c'est bien parce que les forces qui soutenaient ce mur se sont disloquées. C'est quelque chose de. Qu'on ne palpe pas. On en voit les effets, on dit c'est la prière, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est ça, mais on. C'est rassurant de penser que c'est possible, tu vois, parce que je ressens pas dans ma tête une quelconque mission. Simplement l'envie d'être en paix avec moi et puis avec les autres, ou d'essayer de comprendre pourquoi je ne suis pas avec les autres, tu vois. C'est plus des préoccupations comme ça. Mais on n'est quand même pas obligé de voler avec sa voiture qu'elle nous dit ça en ce moment. Et en fait, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y aurait à sauver d'autres que moi. On dit que la Terre, la Terre s'en sortira. L'humanité peut-être pas, mais la Terre s'en sortira. J'ai été optimiste et je pense que. Je suis devenu pessimiste et je pense que ma démarche, c'est pour redevenir optimiste. Voilà. C'est peut-être ça le fin mot de l'histoire. C'est qu'en fait, je pense qu'il y a, quelque chose à faire, ou disons, quelque chose à changer au moins dans moi-même pour que je vois les choses un peu plus roses ou un peu plus bienveillantes, tu vois, vis-à-vis des autres.